Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Allons-y. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne. Nous serons bientôt 8 000 abonnés. Ça va très bien. Je vous remercie de votre implication, de votre encouragement. Inspirons-nous les uns des autres. Allons-y. Bon, la course. Quel est le mot qui accompagne la carte? Expert. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Les champions. Champions de la course. Championne. Nous sommes deux. Énergie de quoi? De défis à relever? Ça demande énormément de persévérance, de discipline. On continue. On s'entraîne. On continue de s'entraîner. On continue de persévérer. Expert. Je cours avec un expert. Je cours avec une experte. C'est stimulant. Ça me demande de me dépasser, d'offrir le meilleur de moi-même. Continuons. Explorons. Énergie de la femme, de la mère. Je vais prendre tout de suite une carte de l'horoscope de Béline. Un couple. Eh bien, quoi comprendre? Là, j'ai l'impression de rencontrer deux experts. Nous travaillons ensemble. Continuons. La carte de la fertilité est une carte d'abondance, une carte de bienveillance. La carte qui me parle de prendre soin l'un de l'autre. Ici, c'est intéressant. Moi, j'ai l'impression que nous nous stimulons l'un et l'autre. Comme si c'était une saine compétition. Notre compétition est saine. Elle nous encourage à nous dépasser, à offrir le meilleur de soi. Continuons. OK. Pouvoir. Ombre.
Sacrifice. Et destinée. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Allons-y. Avec la carte du pouvoir, qui est une carte qui me parle de courage, de force intérieure. Est-ce que je reprends le pouvoir sur ma vie? Pouvoir. La carte de la réussite. Vœux exaucés. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Fin des ennuis. Ici, c'est une carte qui peut nous parler aussi du combattant, l'esprit de compétition. Ici, on nous parle de succès. Continuons d'explorer. Ombre. Qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? Départ. On prend une nouvelle direction. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte de l'ombre et du départ? C'est la carte qui nous parle. Bien, en fait, je vais vous le dire. Ici, j'ai l'impression que c'est la fin de l'abus de pouvoir. Ici, je pense. Ici, c'est la carte qui peut exprimer l'illusion, qui peut exprimer les mensonges. On ne voit pas clair avec la carte de l'ombre. Parfois, on peut ressentir de la méfiance. Qu'est-ce qui se joue dans l'ombre? Bien ici, avec la carte de départ, on a quitté possiblement le jeu d'illusion, les mensonges, la déformation de la réalité. On prend une nouvelle direction. Je sors de mes peurs. J'ai dépassé mes peurs. Attendez une minute, là, je vais ajuster. OK. J'ai l'impression d'avoir dépassé mes peurs. Ici, sacrifice, qu'est-ce qu'on me dit? Ici, c'est la carte qui me parle. J'ai peut-être fait un retour dans le passé pour guérir des blessures émotionnelles. Là maintenant, je suis prête, je suis prêt à faire face à la réalité, à faire face à la musique. Donc, je quitte. On dirait que j'ai fait un grand ménage. Là, je me prépare pour m'en aller au soleil. Ça se peut. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? Le diable. Je pouvais subir ici, me sentir sous pression avec la carte du diable. Le diable nous parle de manipulation, d'abus de pouvoir, menaces, harcèlement. Je me sentais dans l'incapacité d'agir. J'avais les mains liées. Je me sentais sous l'emprise de la carte du diable. Le diable, ici en ce jeu, était en situation de pouvoir. Il jouait sur mes peurs. M'empêchait ici, étant donné qu'on me parle de peur. Ici, étant donné que je me sens figée dans l'incapacité d'agir, c'est comme si oui.
J'avais laissé mon pouvoir entre les mains de la carte du diable. Ici, j'ai repris mon pouvoir. Ici, je suis sorti de mes peurs. Je les ai rencontrés. Et maintenant, j'emprunte une nouvelle voie, une nouvelle direction. Je me libère de ce qui est malsain. C'est la carte ici qui peut me parler aussi de toute forme de violence, toute forme d'abus. Le diable, pour arriver à ses fins, est prêt à tout. Donc, étant donné qu'on me parle de peur, et ici, j'ai l'impression d'être figée parce que j'ai peur, bien là, ici, j'ai repris mon pouvoir. Je n'ai plus peur. Qu'est-ce qu'on me dit? Je m'ouvre à de nouvelles occasions. J'ai mis fin, possiblement, à l'emprise. J'ai décidé ici, c'est la carte qui me dit d'accepter ce que je ne peux pas contrôler. Donc, bon, bien, écoute. Le diable peut bien vouloir continuer de manipuler, me mentir. Ben, regarde, je ne le nourrirai pas. Je m'en libère. Je passe à autre chose. Je m'allège. Il peut jouer à son jeu tout seul. Ici, parlant de jeu, c'est une carte qui me donne le goût du risque. Oups, attendez un peu, là. Je ne les ressens pas, les deux cartes. Attendez un peu. Allons-y. Destinée, qu'est-ce qu'on me dit? Ça bouge avec la carte de la destinée. Ça bouge au foyer. En fait, j'ai l'impression que je vais saisir une occasion ici. Attendez un peu. Ici, on me parle d'instabilité. On ne sait pas à quoi s'attendre. Et ici, c'est une carte de stabilité. En même temps, je pourrais penser que je ne sais pas à quoi m'attendre. À la maison, dans un milieu de vie, des surprises ici. Qu'est-ce qui se passe? Je vais continuer d'explorer la zone. La joie. Je pense qu'on me dit, étant donné que c'est la roue, je pense que c'est le retour de la joie au foyer. Donc, je rencontre vraiment une personne ici qui a fait preuve d'une grande détermination, de courage. C'est l'énergie du sportif, de la sportive, expert. On a dépassé les obstacles. C'est un jeu qui exprime le succès, la réussite et le retour de la joie au foyer. Ensemble, le cœur, la bienveillance ici. C'est une carte d'amour. La carte de la fertilité, c'est la carte qui exprime la femme, la mère. Et ici, on me parle de complémentarité, on me parle d'allier, travailler ensemble, se soutenir. C'est de toute beauté. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. C'est un jeu qui exprime la réussite. Du soutien. Soutien ici. Je pourrais aussi penser que j'ai réussi à
à unir mes deux polarités, le féminin et le masculin. Je ressens ici la solidité de la femme. Je fais équipe avec l'autre. Nous nous entraidons, nous nous stimulons. C'est la voix du cœur ici qui est mise en priorité. C'est le cœur ici qui nous stimule à nous dépasser. L'amour. L'amour ensemble. Allons-y. Univers. Ouverture, énergie divine. Permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Je vais vous lire le message associé à la carte. La carte numéro 7. Allons-y. Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance. Ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment, comblé de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. Alors voilà, c'était votre message pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez du beau temps. À la prochaine. Merci de votre présence, de votre implication et de votre bienveillance. À bientôt.